Es folgt für eine Minute Herr Kollege Jadot. Madame la haute représentante, 7 ans de guerre civile et d'horreur, 400 000 morts, dont une majorité de civils. En Ghouta orientale, à Idlib, à Afrin, la communauté internationale est impuissante face au massacre. Raser des villes, raser des écoles, raser des hôpitaux, ça n'est pas combattre le terrorisme, c'est du terrorisme. Le message de Poutine, d'Assad, d'Erdogan et des dirigeants iraniens est clair. Vous voulez plus de démocratie, vous aurez la guerre. Vous voulez plus de liberté, vous aurez la mort. Alors ce n'est pas en déroulant au château de Versailles le tapis rouge à Poutine qu'on va régler la question des massacres. Alors oui, l'aide humanitaire. Alors oui, le processus onusien de paix. Mais l'Europe a une responsabilité et nous devons sanctionner les responsables de ces horreurs là où ça leur fait mal. Leur liberté, leur argent, leur orgueil. Leur liberté, battez-vous pour un tribunal international sur les crimes en Syrie. Leur argent, faisons une liste manisquée élargie. Confisquons leurs biens, interdisons leur territoire. Et leur orgueil, organisez, poussez le boycott politique de cette Coupe du Monde. Vielen Dank, Herr Kollege Jadot. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Sakorafa. Κυρία Επίτροπε, είπατε ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί με πλήρη πολιτική συμφωνία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ή σε άλλο κόσμο ζούμε ή άλλο κόσμο περιγράφουμε. Πριν από τα